Hey, salut, c'est Molam et c'est parti pour eh bien une vidéo Castle Clash. Il est temps eh bien de revenir sur la scène, donc je pense que je vais reprendre un peu Castle Clash. Donc pour eh bien ce retour, je vais faire un petit tirage de gemmes puisque bon ça s'est un peu accumulé entre temps. Et puis je vais faire toutes les nouveautés qu'il y a. Donc là visiblement il y a plein de récompenses à récolter. Donc bien évidemment je vais le faire. Là on a une carte de héros légendaire et tout. Je vais déjà commencer par ça, à mon avis. Là, regardez, il y a plein de... Eh, franchement, il y a tellement de trucs à récolter, là. Tellement. Attends, par contre, il y en a que j'ai pas fait compléter une expédition, réinitialiser le talent une fois. Ouais, ça, c'est fait vite fait. On va faire ça. On va faire l'entraînement, voilà. Donc, améliorer l'hôtel de ville au niveau 2. On a 5 partout. Réduire les temps de construction de 15 minutes. Bon, bah, c'est toujours ça de gagner. Tiens, on a un champion. On a... What the fuck? 10 livres, 5 insignes, attends, ok, d'accord, obtenir 12 flammes dans les donjons, on a encore 5 marteaux, 15 livres, encore 10 marteaux, on a obtenir un familier, voilà, avec un petit œuf, obtenir 3 familiers, allez hop, un petit œuf supplémentaire, et donc là, je pense que, en fait, là, j'ai quasiment fini, compléter une quête, on va faire une quête pour faire plaisir, tiens, un petit tirage de gemmes, pourquoi pas, hop, bon, ce sera un assassin, ça c'est validé, normalement je pourrais calamer la récompense ici, voilà, donc compléter 3 quêtes, ah ouais, en plus il est gourmand, vas-y, bon bah on va faire 3 quêtes, hein. On va aller dans les donjons insensés, allez, et puis on va faire celui-ci, on va le balayer 2 fois, voilà, juste histoire de dire qu'on a fait la quête, voilà, donc on va, on retourne dans le tableau des quêtes, on va valider ça, et on va voir si on peut avoir d'autres récompenses intéressantes, il y avait ça, compléter 3 quêtes, ok, donc là je pense que tout est fini, cette fois-ci tout est fini, alors par contre je ne sais pas si ça se réinitialise toutes les semaines, apparaîtront tous les jours à minuit, ok, d'accord, bon par contre je pense que pour les missions de puissance et tout à mon avis, ça réapparaîtra pas. Passer mission héroïque L1, 18 marteaux qui augmente de 1 heure, enfin réduit de 1 heure le temps de construction, c'est franchement pas mal. L2, 30 marteaux. L3, attends, de 6 heures, 15, 6 heures. Ah ouais, d'accord. Obtenir 2 étoiles, et on a tellement de récompenses. 15 coffres d'insigne, on a encore, attends, 6000 de puissance pour ça, franchement. Attends, on a 20 livres et une carte héros légendaire, quoi. Ok. Oh, attends, il me faut le golem. Il me faut ce bordel de golem que je n'ai toujours pas. Je n'ai toujours pas ce golem, voilà. Par contre, là, il n'y a plus de place. Je pense que je vais essayer d'augmenter un peu l'espace qu'il y a. Alors, je ne sais pas s'ils ont rajouté des slots. J'espère, voilà. Bah, c'est nickel. Je vais dépenser un peu de gemmes. C'est pas grave. C'est pour la bonne cause. Il y a une carte de héros légendaire. On va revenir ici. Tour de guet, des livres d'XP, on a passé la vague A, voilà, c'était il y a 3 ans. Passer la vague B, battez-vous 5 fois dans l'arène. Bon, ça je ferai plus tard. 30 000 heures dans les raids, bon, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Un héros niveau 80, 90, 100. Là, compétence niveau 3, niveau 4. On a encore des marteaux qui réduisent une heure le temps de construction. Rejoindre une guilde, je suis déjà dedans. Je suis une sirénia gratuite. Eh, non mais en fait. Il nous donne les héros maintenant, quoi. Non, mais c'est devenu trop simple. Obtenir 2 héros, 4 étoiles. Ok, bon, bah, y'a pas de soucis. 3 héros, 4 étoiles. Réinitialiser le talent une fois pour 7 gemmes. Bon, on va le faire. Exceptionnellement, je vais le faire. Voilà. Ressusciter niveau 3. Je verrai où est-ce que je le mettrai. Mais bon, je vais déjà valider ma quête. Voilà. À part ça, donc ça sera plusieurs fois, 2 stages de crise au château et tout. Bon, ça je ferai plus tard, voilà, il y a largement le temps. Et donc voilà pour la partie mission. Là, je sais pas s'il y a des trucs, ouais, bon. Rien de spécial, si il y a un truc pour la fête des pères. À part ça, donc là j'ai fait les petites missions et tout. Je sais pas s'il y a des récompenses à prendre dans la fontaine et tout. Tiens, je vais prendre les écussons mythiques, voilà. Je sais pas s'il y a la crise au château qui est en cours. On va reprendre ça un peu ensemble, voilà, donc là j'avais pas de récompense puisque je n'avais pas fait, tout simplement. À part ça, je crois qu'il y a des nouveaux bots de jeu, donc ça je testerai plus tard. Duel des squads que je n'ai toujours pas fait, voilà, je ne sais pas, enfin, pour l'instant je m'y suis toujours pas collé, voilà, clairement. Je peux éventuellement, attends,
Attends, avec une équipe vide, j'ai toujours pas fait d'équipe, voilà. Je verrai ça plus tard. Je ferai une vidéo dessus, pas de soucis. Donc là, je fais l'émission et puis je vais faire un petit tirage de gemmes, voilà, pour essayer de choper. Bah, forcément un golem, voilà. On va essayer de choper le golem. Pourquoi pas les nouveaux héros? Donc, nouveau héros qui est Rocknoo. Donc, j'en ferai une petite présentation parce que j'ai un compte avec le héros dessus. Donc, je ferai une petite vidéo dessus. Donc, là, je vais faire un petit tirage de gemmes, voilà. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. J'ai vu qu'il y avait également une petite carte gratuite tous les jours, ça c'est pas mal aussi. Bon, alors, un cyclope, on va commencer par un petit cyclope. Goutte de cristal, reine serpent, bourreau. Bon, on va essayer de choper un truc quand même. Un panda, une goutte de cristal, une reine serpent, assassin, chaman, loup-garou. Pour l'instant, on a que du bleu. On a du vert, triton, on a une goutte de cristal, un démoniste. Donc, qui me servira strictement à rien du tout, clairement. On va essayer d'évacuer un peu tout ça. Parce que là, voilà, ça sort 20 000 insignes, voilà. Je les utilise, tac. Et puis pour le reste, voilà, tac. Ça, je peux garder. Je vais revenir dans, eh bien, mon petit hôtel des héros. Et puis on va finir le tirage de gemmes. Hein. Fascimiste, bourreau, assassin. Damier, c'est quoi le délire avec du vert? Attends, j'ai pas eu un légendaire en 5000 gemmes encore. C'est quoi le délire là? Je vais vider ça. Ouais. Voilà, je vais vider ça. Attends, j'ai utilisé les marteaux. Hein, tant qu'à faire. Ah non, je pense qu'il faut aller dans la construction et tout. Bon, c'est un peu galère. On va vendre l'ange. On va vendre la chimiste. On va vendre notre petite dryade. Et puis, bon, bah, éventuellement, utiliser quelques. Voilà. Quelques packs de fragments qui ne servent à rien dans l'entrepôt. Donc, recruter héros. Loup-garou. Un panda, assassin, bourreau, que du bleu, 100%. Ah non, non, on a eu un démoniste, voilà, on a eu un démoniste. Mais c'est pas ce que je recherche du tout. Voilà, 2600. Dompteur de bêtes, que j'ai déjà. C'est toujours ça en plus. Il me faut un goulême. Là, toujours un goulême. Assassin, reine serpent. Bon, à mon avis, ça va pas être mon jour. Clairement, c'est pas mon jour du tout. Bon, c'était catastrophique, clairement. Voilà, comment passer 10 000 gemmes à la trappe aussi facilement. Voilà, donc 10 000 gemmes un peu bousillé. Au final, j'ai eu un dompteur de bêtes, super, que j'avais déjà, et puis j'ai eu un démoniste, voilà, qui me servira pas à grand chose puisque je l'ai déjà évolué. Voilà, donc ça c'était pour la petite partie tirage de gemmes. Et puis, il nous reste une petite carte de héros légendaire, et tant qu'à faire, pourquoi pas avoir un petit goulet. Ça sera un cupide. Que j'ai déjà Evo 2, donc voilà, ça me servira à rien du tout non plus. Je vais revendre les gens des collines, du bourreau, assassin, voilà. Tout ça, ça va me faire des fracs un peu, voilà. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mes 10 coffres là de forteresse hostile. Alors, ils sont où? Je les avais vus tout à l'heure. Je ne sais plus. Ils sont là. Tac. Oh attends, 4 coffres de... Oh, allez, tant qu'à faire. Ici on peut avoir un petit quart d'euro légendaire. Non, bon tant pis. On va faire ça, et puis bon bah ce qu'on va voir d'intéressant dedans. Bon bah rien d'intéressant. Clairement rien d'intéressant. Attends, what? Mais sur d'où celle-là? Quart de héros légendaire événement. Ok, bon bah on va l'utiliser, écoutez. Hein. Un dance ban. Voilà, donc ça sera pas de goulême pour cette fois-ci. Malheureusement, attends, mais j'en ai encore une là. J'en ai encore une. Attends, par contre, il y a, je crois. Non, il n'y a pas de goulême dedans. Bon, je vais peut-être avoir un petit beignet, je sais pas. Un duc citrouille, voilà. Voilà, j'en ai trop maintenant. J'ai trop de duc citrouille. Enfin, bref, voilà. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Donc, voilà. Donc, je fais mon petit retour sur Casa Clash. Donc, là, je ferai une petite vidéo. Après sur eh bien les duels des squads, je terminerai mes petites missions et pour la suite donc pourquoi déjà je sors plus de vidéos en ce moment parce que donc j'ai commencé certains jeux du genre Battleground, Overwatch, donc pour l'instant j'essaye de me focaliser dessus. J'ai essayé de monter ça pour vous faire des vidéos avec un minimum de skill quand même. Sinon à part ça, j'ai eu un petit contretemps, je me suis fait voler mon portable, donc ce qui fait que j'ai un peu mis de côté tout ça. J'ai cherché autre chose. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Et puis on se retrouve bien très bientôt, les gars, pour eh bien de nouvelles vidéos. Allez, salut.